Si j'ai choisi ce matin ce psaume comme liturgie, c'est que nous n'avons pas tellement l'habitude de lire des psaumes en entier. Pour moi, il est important en ce jour particulier, en ces heures qui terminent une année et où bientôt une autre va s'ouvrir, par la parole de Dieu, de voir comment le psalmiste peut faire le bilan de ce qu'a été cette année par ces quelques paroles, et je voulais les partager avec vous. Le texte qui nous servira de méditation ce matin, je l'ai choisi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, à partir du verset 15. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un vent violent. La mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, pourquoi ai-je choisi ce texte ce matin? Parce qu'il illustre lui aussi, d'une manière assez surprenante, cette époque de l'année. Veille de ce que nous allons vivre ce soir. Et je vous invite à fermer les yeux pour quelques instants, pour vous plonger dans ce décor qui a servi à ces paroles qui sont rapportées par l'évangéliste. Jésus est à Bethsaïda, au nord de la mer de Galilée. Les foules de villages et de villes l'ont suivi depuis le matin, l'écoutant dans ses discours sur le royaume. Le jour commence à baisser et ils sont en pleine nature, n'ayant rien mangé depuis de nombreuses heures. Et Jésus va multiplier les pains et les poissons pour cette foule. Souvenez-vous, plus de 15 000 personnes. Rassasiés spirituellement pendant le jour et matériellement pendant le soir, au verset 14, il déclare, parce qu'ils sont émerveillés de ce qu'ils viennent d'entendre et de vivre, c'est vraiment le prophète, celui qui était annoncé et qui doit venir dans le monde. Ils veulent le faire roi. Et Jésus va se retirer sur les collines alentour pour reprendre des forces après une journée que l'on dirait bien remplie. Au verset 16, les disciples, eux, pendant ce temps, reprennent la barque qu'ils avaient laissée pour aller sur l'autre rive du lac, environ 10 kilomètres à Capernaum. Et c'est là, mes amis, que cette traversée ressemble à celle que nous allons faire tout au long de ces 365 jours qui nous seront donnés de 2017. Notre vie sera au cours de ces jours comme une traversée, comme cette traversée du lac que les disciples ont dû vivre. Il est aux environs de 3 heures du matin, la quatrième veille de la nuit. Le vent souffle très fort, la mer est agitée. Pourtant, c'est un lac. On l'appelle mer de Galilée parce qu'en effet, il y a des tempêtes qui se déchaînent comme sur la mer, avec des vagues violentes.
J'ai habité quelques années, comme certains que je vois ici, au bord du Léman, et on sait que ce lac, qui est très paisible, c'est avoir aussi de ces tempêtes redoutables qui paraissent comme celles de la mer. Que représentent ces vents sur cette mer agitée? Ils représentent les difficultés que nous traverserons tout au long de cette année 2017, les vents qui nous seront contraires, des difficultés internes. Pour certains, peut-être, ce sera des difficultés avec leurs enfants. Pour d'autres, avec les petits-enfants, pour d'autres, dans leur couple. Difficultés dans le travail, à cause d'une fusion d'entreprises qui n'était pas prévue, d'un dépôt de bilan, du chômage qui s'aggrave. Pour d'autres, des difficultés scolaires, des échecs malgré tout ce qu'ils auront investi. Pour d'autres, des maladies, des hôpitaux, des décès, du stress. D'une manière générale, des difficultés externes, vents contraires, tempêtes qui agitent violemment notre monde, des conflits, des guerres, des accidents tragiques de transport, on pense à cet avion russe encore, il y a quelques jours qui s'est écrasé. La mer sera démontée parfois pendant notre traversée de 2017. Comment va se faire cette traversée pour nos disciples? Au verset 19, on nous dit, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, environ 5 kilomètres, il se trouve au milieu du lac. Vous savez, quand les éléments se déchaînent, on n'a pas tellement envie de rebrousser chemin. Alors ils avancent. Ils vont essayer d'affronter ces éléments, leurs efforts contre ces éléments deviennent inutiles. Ils sont désarmés devant cette tempête. Et cependant, quand nous y pensons, ce sont des pêcheurs de ce lac. Ils le connaissent. Ils l'ont traversé combien de fois? Peut-être aussi avec des tempêtes. Mais celle-là, ah mes amis, c'était une belle tempête. Parce que le texte nous dit, ils eurent peur. Je ne connais pas beaucoup de marins qui ont peur devant les éléments. Ils les connaissent. Et au verset 19, Jésus apparaît. Lui, le grand « Je suis » de l'Ancien Testament. Celui qui est apparu au temps de Moïse, lui qui dit « Je suis la lumière ». Et au lieu d'être rassurés, ils ont peur. Peur devant tous ces éléments qui se déchaînent autour d'eux. Est-ce qu'ils ne nous ressemblent pas si près? Oh, nous aussi nous connaissons Jésus. Nous aussi, nous le prions de tout notre cœur. Nous aussi, nous le louons pour ce qu'il a fait durant cette année. Mais mes amis, quand nous sommes devant la tempête et dans la tempête, nous avons peur. Pourquoi? L'évangéliste nous dit, la nuit est noire, l'eau bat la barque. Elle entre dans leur embarcation, ils écopent. Que fait Jésus pour eux? Il fait la même chose que pour nous. Il les rassure. Il les rassure par sa voix. C'est moi, n'ayez pas peur. Si nous voulons voir changer la situation de nos vies, au cours de ces tempêtes, qui ne manqueront pas de souffler en 2017 pour nos familles, pour nous-mêmes, pour notre travail. Invitons Jésus dans la barque de notre vie durant cette année.
Invitons-le dans nos projets de travail, de famille, d'entreprise. Chaque année nouvelle nous donne des espoirs. Quelque part, nous attendons des miracles chaque année, nouvelles qui s'ouvrent pour notre vie et pour celle des nôtres. N'est-il pas vrai? Dans notre texte de ce matin, j'aimerais attirer votre attention, il n'y a aucun miracle pour les disciples. Le texte ne dit pas que les difficultés ont disparu. L'obscurité, le vent, les vagues sont toujours là. Jésus dans la barque avec eux? Non. Mais seulement une promesse. N'ayez pas peur. Et au verset 21, au moment où les disciples veulent que Jésus monte avec eux, se sentant ainsi rassurés parce que le maître serait là dans la barque, alors l'évangéliste nous dit qu'ils touchent la rive et qu'ils arrivent à Capernaum. La traversée avec ces tempêtes est terminée. Cela sera le regard de Jésus que je vous souhaite d'avoir jusqu'à décembre 2017 dans notre traversée. Ensemble, nous pouvons remercier Jésus d'avoir, dans la traversée, dit ses paroles, fût-ce au milieu de la tempête, je suis là, n'ayez pas peur. Cette traversée, nous la ferons dans la barque qui, pour nous, s'appelle l'Église. Une barque particulière, mais l'Église aussi avec toutes ses difficultés, peut-être avec ses déceptions, mais aussi avec toutes les voies rassurantes à l'image de Jésus autour de nous. Avance, va en paix sur l'autre rive où la vie t'attend et sois rassuré par la voix de Jésus. Alors, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonne traversée 2017. Bonne année à chacun d'entre vous. Levons-nous et chantons ensemble « Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même, ne craignons rien, il nous garde et il nous aime. » Numéro 468.
Seigneur Dieu, nous sommes heureux que tu sois avec nous ce matin, que tu nous aies appelés à venir ici pour te louer, te glorifier, que tu nous aies appelés aussi pour que nous nous rappelions que dans cette vie que nous menons, dans cette barque dans laquelle nous sommes, que tu es autour de nous. Tu attends que nous t'invitions à monter. Et que nous t'invitions à monter ou pas, tu restes là et tu seras toujours là. Aide-nous à te donner cette place, à te faire entrer dans cette barque avec nous, afin que ce soit en situation de tempête ou en situation d'eau douce, que nous ayons cette assurance que parce que tu es présent au milieu de nous, dans nos vies, que nous arriverons à bon port, quelles que soient les situations. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Et nous voulons te glorifier pour cela ce matin, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous laisser avec ces paroles d'assurance afin que nous ayons tous la conviction que nous ne sommes pas seuls. Car la parole de Dieu nous dit « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. » Ayons l'assurance que Jésus est avec nous. Amen.